je vous retrouve pour la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 22 mai sur le degré 2 et 4 minutes des Gémeaux. Donc avant ça, je voudrais vous faire une petite annonce. J'ai mon ami Hervé René Martin, que vous connaissez peut-être, un écrivain qui a écrit « La mondialisation racontée à ceux qui la subissent », qui avait écrit « La fabrique du diable », « L'éloge de la simplicité volontaire », qui a décidé de partager son dernier livre en PDF suite à la période de confinement. Ça fait un petit moment qu'il me l'a envoyé, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le partager avec vous. Donc il m'a donné un lien et vous pouvez télécharger donc son dernier livre gratuitement, et vous avez le lien dans la barre de description sous la vidéo, et donc il vous est offert hein, si vous avez envie de le lire. Donc ça s'appelle Tu rêveras de paix puis tu t'éveilleras. Donc à vous de voir si ça vous intéresse et de partager même après ce lien si vous pensez qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées. C'était avec plaisir qu'il avait envie vraiment de faire ce partage suite au confinement. Donc revenons à la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu à 19h39 heure de Paris le 22 mai 2020. Alors qui sera concerné? Bien particulièrement les natifs des Gémeaux, bien sûr, surtout le premier décan. Et puis seront aussi pas mal concernés les natifs du poisson du premier décan aussi. Alors après, tout le monde est concerné, vous avez tous ce degré 2 des Gémeaux quelque part dans votre thème, donc regardez dans quelle maison cette nouvelle lune tombe, et c'est l'occasion pour vous de démarrer quelque chose. Vous savez que la nouvelle lune, c'est toujours un nouvel élan qui peut être donné, un nouveau départ dans un secteur de votre thème, et avec la coloration du signe dans laquelle la nouvelle lune a lieu. Donc ici, on est dans l'énergie des Gémeaux et dans un domaine quelconque dans votre thème. Par exemple, moi, c'est dans mon secteur 11. Je ne sais pas dans quel secteur ça tombe, dans quelle maison ça tombe pour vous. Mais voilà, il y a un nouvel élan. Si vous voulez vivre au rythme de la nouvelle lune, eh bien, vous pouvez donner une impulsion à partir de cette période de nouvelle lune concernant bien tout ce que va représenter les Gémeaux. Donc à quoi nous encourage le signe des Gémeaux? Bien, il nous encourage évidemment à communiquer. En plus, vraiment le signe des Gémeaux ici est à l'honneur hein, puisqu'on a le nœud nord qui est rentré dans ce signe des Gémeaux. On a donc le soleil et la lune hein, puisqu'on est dans une nouvelle lune. Nouvelle lune, ça veut dire que le soleil et la lune sont conjoints, mais on a aussi Vénus qui rétrograde dans ce signe, on a Mercure qui est en domicile, qui est dans son signe. Donc c'est vraiment une nouvelle lune plein feu Gémeaux, je dirais, pendant cette période. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette nouvelle lune qui est extrêmement chargé en signe d'air, puisqu'en plus des aspects, enfin des planètes et d'une lunaire en Gémeaux, on a aussi Saturne qui est toujours en Verseau, rétrograde. Donc on a quand même pas mal d'air. Et l'air, eh bien, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, eh bien, enfin, on va pouvoir respirer, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir se relier les uns aux autres. C'est donc la communication, c'est la légèreté, tous les moyens de communication, aussi bien dans les déplacements que par les réseaux sociaux, internet, téléphone, enfin tout ce que vous voulez. C'est aussi l'ouverture aux autres, c'est la prise de contact. Donc si vous devez prendre des contacts, eh bien c'est le mois pour le faire. Si vous avez des recherches à faire, si vous devez vous déplacer pour faire des recherches, si vous devez prendre des contacts ou passer des entretiens, envoyer des CV, tout ce qui vous amène à communiquer avec les autres, surtout dans le domaine pratique, pour résoudre des questions pratiques, eh bien, à partir de cette nouvelle lune, c'est vraiment le moment pour le faire. Donc après, c'est aussi une superbe période pour collaborer avec les uns ou les autres, pour avoir des travaux intellectuels en cours, pour travailler à deux ou à plusieurs sur des projets, pour
sortir pour marcher, courir, s'amuser, pour apporter un peu plus de légèreté dans nos vies. Et je pense qu'on en a besoin après cette période de confinement. Alors, je ne sais pas vous, mais nous ici à Nice, hein, il pleut. Donc, bon, on n'est encore pas mal confinés finalement, malgré la possibilité de sortir. Mais enfin, ça va venir. On est patient. On peut déjà un peu mieux déambuler dans les rues, même si ce n'est pas encore ça, pour aller se promener dans la neige. Donc pendant cette période, eh bien, on a donc une énergie d'air et un gémeau dominant. Donc c'est vraiment la profusion d'idées, de projets qui vont naître à un niveau individuel, à un niveau collectif, dans des duos aussi. On aura envie de collaborer. Ça, c'est vraiment la dominante, hein. On sent déjà, hein, depuis que Vénus est en gémeaux, elle y est depuis le 3 avril, on a déjà senti cette envie de se relier aux autres et de partager ce que l'on aime, puisque Vénus, c'est ce que l'on aime, c'est ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien et ce qui nous rend joyeux finalement, hein, qui nous intéresse aussi dans le signe des Gémeaux. Donc on sent depuis que Vénus est en Gémeaux qu'on a cette volonté comme ça de se relier aux autres. Et évidemment, Vénus va y rester jusqu'au 7 août dans ce signe des Gémeaux. Donc on a le temps de continuer à programmer des collaborations et à partager avec les autres. Comme on est dans un signe, ce signe des Gémeaux qui est un signe pratique, eh bien c'est vraiment l'idée en fait. De plus, on a en plus le nœud nord dans le signe des Gémeaux, hein. Donc c'est vraiment l'idée de mettre les mains dans la boue, c'est-à-dire vraiment d'aller faire ce que l'on aime. Si on aime faire quelque chose, eh bien il ne s'agit pas, le nœud sud en Sagittaire aurait plutôt tendance à nous faire nous projeter vers l'avenir de manière utopiste, peut-être avec de grandes idées, de grands projets. On ne va pas abandonner ces grandes idées et ces grands projets, mais le nœud nord en Gémeaux nous encourage plutôt à faire. Ça veut dire que si on aime quelque chose, si on aime écrire, si on aime jouer de la guitare, si on aime apprendre, si on aime communiquer, quoi que vous aimiez finalement, eh bien c'est le moment de vous y mettre, de passer à l'étape pratique, donc d'apprendre ou de partager, de faire en fait, hein, vraiment c'est l'idée de faire. Donc, on peut avoir pendant cette période particulièrement une soif d'apprendre, de se former. Il y a peut-être même beaucoup d'examens, hein, et de concours, etc., qui pourraient être passés pendant cette période-là, étant donné qu'on a vraiment beaucoup de gémeaux, hein. On peut avoir aussi des périodes qui vont en profiter pour faire des visites, pour déménager, hein. C'est un signe assez mobile. Donc, si vous avez besoin de déménager, eh bien, ça va pouvoir se faire certainement au cours de cette nouvelle lune, dans le mois qui suit cette nouvelle lune. Les Gémeaux sont aussi le signe qui sont, enfin c'est aussi un signe qui est lié à la paperasse. Donc c'est une période où on peut avoir tout un tas de papiers à remplir aussi pour régler certaines questions, notamment matérielles, puisque Vénus est dans le signe des Gémeaux. Donc des questions d'argent qui passent par les paperasses, hein, par tout un tas de paperasses, de papiers à envoyer. Après, c'est vraiment une période où on va pouvoir se réunir, partager des moments de joie, faire des nouvelles rencontres. Alors là, Vénus est rétrograde. Donc pour les nouvelles rencontres, il vaut mieux qu'elles aient été faites avant. Et même si elles ont été faites avant, maintenant que Vénus rétrograde, hein, il y a peut-être des surprises qui vont avoir lieu, pas toujours bonnes. Ou alors, il y a peut-être des délais avant de se voir ou avant d'officialiser, etc. Parfois, Vénus rétrograde va juste apporter la notion de délai. Et parfois, elle va aussi montrer que c'est une période où, ben, finalement, c'est un peu confus. Il nous manque un morceau du puzzle. On n'a pas bien une vue d'ensemble sur la situation. Vous savez, les Gémeaux, c'est fragmenté. Donc, on a une petite partie du schéma total ou du scénario total, mais il nous manque des informations, hein, le Gémeaux. Donc, il faudra attendre le 25 juin que Vénus redevienne directe pour tout ce que vous avez à faire. D'ailleurs, que ce soit des déménagements, des apprentissages ou que ce soit peut-être des examens, des concours, des réponses que vous attendez, pour voir comment une relation amoureuse va évoluer, eh bien, certainement
évidemment qu'après le 25 juin, il y a des éléments, de nouveaux éléments, de nouvelles informations dans ce signe des Gémeaux qui vont apparaître et qui vont vous donner une vue d'ensemble beaucoup plus claire, qui vous permettra en fait de savoir si vous avez envie de vous engager, d'aller plus loin dans une collaboration, une relation, un apprentissage, etc. Hein, c'est rien de grave, mais disons que il vaut mieux rester circonspect et attendre un petit peu d'y voir plus clair après le 25 juin, et ça tombe bien puisque c'est au mois de juin justement que Vénus va redevenir direct. Donc ici, on est quand même dans une forme de stimulation, hein, on a envie de passer au projet et de s'y mettre. On peut aussi retrouver des personnes du passé avec Vénus rétrograde, bien sûr. On peut aussi renouer avec des activités du passé. Vous aviez arrêté peut-être de danser, bien ça y est, vous vous y remettez, ou ça peut être n'importe quoi, ou revenir sur une activité créative pour la corriger, l'améliorer aussi, hein, pourquoi pas. Donc la nouvelle lune est quand même carrée à Mars en poisson. Alors ça va dynamiser tout ce qui a été imaginé dans les semaines précédentes, hein. Même si c'est en carré, c'est vrai que Mars va apporter peut-être même une envie parce qu'il est en poisson, donc il est un peu sans limite, il ne connaît pas forcément les limites de son énergie, et puis en plus Mars en poisson, c'est pas vraiment de l'énergie à l'état pur, c'est pas l'énergie du bélier, l'énergie du feu, on est dans un signe d'eau. Donc on est plutôt dans une énergie qui va contribuer à l'imagination, à la créativité, mais qui peut aussi renforcer les problèmes de confusion, d'illusion ou de désillusion. Donc il faudra faire attention à ça, parce que pour certains, ça va être extrêmement bénéfique, parce que ça va vous permettre de créer et de collaborer sur tout un tas de sujets liés aux poissons, la psychologie, la musique, la spiritualité, tout ce qui est un peu créatif, hein, aussi. Et puis d'autre part, le fait que ce soit en poisson, il peut y avoir comme une forme d'exagération avec ce carré, c'est-à-dire qu'on va pas trouver, on va pas pouvoir mettre des limites à nos envies d'aller vers l'autre, de collaborer, de travailler. On pourrait avoir peut-être les yeux plus grands que les yeux plus grands que la bouche. Enfin bon, je suis nulle en expression, hein. Donc en tout cas, voir trop grand, hein, dépasser ses limites et ne pas se rendre compte finalement qu'on a surestimé les forces ou notre énergie de pouvoir tout faire. Alors après, Mars va avancer en poisson, sur la fin du poisson ils seront en bon aspect de Jupiter, de Pluton et de Saturne, donc je pense que quand même vous réussirez à concrétiser ce que vous avez envisagé, mais vous allez vous rendre compte que vous avez vraiment vu gros et peut-être que ça un peu vous avez été un peu présomptueux finalement sur ces histoires. Donc attention à ça, attention évidemment aussi à tout ce qui pourrait être du domaine du fantasme. Alors je dis attention, c'est pas grave, hein, de fantasmer, mais en même temps, bon voilà, je vous disais, il y a peut-être des informations qui nous manquent, alors sur le plan affectif ou sur le plan matériel. Soyez vigilants, il pourrait y avoir là aussi cette notion d'exagération qui fait que vous avez l'impression que, mais finalement non, hein, c'est peut-être vous avez peut-être une vision un peu déformée de la réalité et de ce qu'il est vraiment. Donc le mieux, c'est encore une fois d'attendre le 25 juin pour y voir plus clair. Si il y a quelqu'un qui vous intéresse, que vous avez tendance à l'idéaliser et à être dans une forme de romantisme, avoir tout parfait, magnifique, etc. Bon ben continuez comme ça, mais dites-vous qu'il y a peut-être à un moment donné vous allez faire un retour sur Terre et que ça sera peut-être différent de ce que vous aviez imaginé. Donc attention peut-être à ça, peut-être tout n'est pas viable, que ce soit dans vos projets, dans vos relations, dans les nouvelles rencontres, sur le plan matériel aussi, hein. Donc il faudra certainement faire du tri à un moment donné. Alors Mars est aussi au sextile d'Uranus, donc il y a un grand dynamisme ici, hein, surtout dans les activités de groupe, puisque Mars est en poisson, donc l'action est extrêmement inspirée ici. On est mu, poussé par la foi, donc on peut, grâce à cette imagination, grâce à cet élan qui vient vraiment de l'intérieur, qui nous porte vers les autres, on peut avoir envie de collaborer avec tout un tas de personnes ou de participer à des activités
de groupe ici, hein, il peut y avoir des actions de groupe, ça peut être par le biais d'Internet, ça peut être réellement, concrètement, enfin en live, hein, ça va dépendre de certains. Alors prudence quand même avec le carré à Mars en Poissons, signe de la santé. On a de l'autre côté les planètes en Gémeaux qui sont liées aux poumons, donc je dirais, voilà, carré Mercure... Vénus à Neptune, ici, attention quand même, voilà, faites attention, ne soyez pas dans l'insouciance, disons, pendant cette période-là, restez vigilants, attention aussi aux paroles malhonnêtes, évidemment, attention aux désillusions, toujours pareil, à une distorsion de la réalité, aux faux-semblants, hein, à tous les niveaux, hein, bien sûr. Alors, cette nouvelle lune est maîtrisée par Mercure, qui se trouve en Gémeaux, et Mercure ici reprend la main sur Vénus. Vous vous souvenez qu'il était la dernière fois en Taureau et donc dans un signe vénusien, hein, donc c'était Vénus qui prenait la main. Cette fois-ci, Mercure est dans son signe et puis il croise Vénus, il est conjoint à Vénus. Donc cette fois-ci, c'est lui le maître du signe, hein, qui reçoit Vénus chez lui à domicile. Vénus est son invité en quelque sorte, hein, et ensemble, ils vont pouvoir collaborer, ils vont pouvoir être encore une fois très stimulés sur le plan intellectuel et aimer échanger au niveau intellectuel, aimer apprendre. Donc on revient sur ces thématiques dont je vous parle depuis le début. Donc ici, il y a vraiment un mariage des esprits, une communion des esprits qui sont vraiment stimulants sur le plan intellectuel, pour les collaborations, pour les apprentissages. Vous allez tomber sur pile le prof qui vous intéresse, ou sur la formation qui vous intéresse, sur le collaborateur ou la collaboratrice qui vous intéresse. Il y a vraiment la possibilité d'apprécier cet échange intellectuel ici, d'être séduit finalement par l'autre sur le plan intellectuel, pas forcément amoureux, ça peut être juste intellectuel. Alors Mercure donc s'apprête ici à devenir visible, donc étoile du soir, et Vénus s'apprête, elle, à quitter sa position d'étoile du soir juste quand Mercure s'élève en fait, hein. Donc ils vont faire il va y avoir un échange d'énergie ici, c'est un échange extrêmement doux entre ces deux planètes dans ce signe, un échange harmonieux entre les deux, donc ça peut provoquer des échanges de valeurs, des échanges de réflexion, de pensées entre deux personnes, ou même au sein de la fratrie, peut-être des échanges d'argent aussi. Il y a la possibilité de contrats, de nouveaux accords, des échanges d'équipements, des nouvelles relations la Lune, en fait, va avancer et va circuler sur cette conjonction Mercure-Vénus. Donc, elle peut faire le liant, comme ça, entre Mercure et Vénus, et vraiment permettre une belle communication autour du 24 mai, quand la Lune va rejoindre cette conjonction Mercure-Vénus extrêmement agréable. Alors, cependant, les planètes sont quand même au carré de Neptune. Donc d'un côté, on a toujours ce risque de déception, d'illusion, de fantasme, de mensonge ou d'incomplétude de la réalité. Mais en même temps, c'est toujours une bonne position pour travailler en groupe, pour des échanges en fait dans le groupe. Ça peut évoquer aussi par exemple des relations clandestines, non officielles, des contrats non officiels, donc avec une part presque d'aventure, quelque chose, voilà, qui n'est pas officiel, qui est un petit peu, qui s'arrange un petit peu, disons, avec la réalité, avec la vérité, sur le plan de l'argent aussi, attention ici. Alors bon, après, c'est aussi une bonne position si vous devez aider des amis sur le plan matériel, ou peut-être un frère, une sœur aussi, hein. Mais bon, attention aux mensonges, aux fantasmes, aux croyances aussi, parce qu'on a quand même Mars dans ce signe des Poissons qui nous porte vers la foi, donc il peut y avoir des personnes
personnes aussi qui voilà, ont mue par cette foi, qui vont peut-être faire tout et n'importe quoi aussi. Donc attention, attention aux tromperies, aux mensonges, hein. De toute façon, on en a parlé à chaque vidéo quasiment, donc ça particulièrement au niveau collectif, je dirais qu'on est toujours dans des faux semblants, mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y a vraiment peu de clarté ici, hein. Il peut y avoir un manque de lucidité, mais bon, en contrepartie, on a vraiment une créativité immense, et j'insiste. Donc c'est une bonne période pour l'imagination, pour partager dans des collaborations des idées, des pensées, des savoir-faire, dans tout ce qui concerne la créativité, l'art, pour tout ce qui concerne aussi la spiritualité, ou pour tout ce qui concerne même tout ce qui est relié aux thérapies, par exemple, hein, aux échanges. Il peut y avoir même, par exemple, des échanges interdisciplinaires dans ce signe des Gémeaux. C'est-à-dire que quelqu'un arrive avec ses compétences dans une discipline, quelqu'un arrive avec ses compétences dans une autre discipline, et on marie les deux, et on essaye d'en tirer comme ça du sens, des conclusions, ou une réflexion, du moins, qui peuvent s'avérer être intéressantes. Alors, si vous êtes né entre le 13 mai et le 24 juin, vous aurez certainement du coup Vénus rétrograde dans votre révolution solaire, ce qui peut indiquer que dans l'année, eh bien, il peut y avoir un changement d'orientation dans votre vie amoureuse, dans un contrat, dans votre manière de gagner l'argent. Il y aura certainement un changement par rapport à là où vous en étiez au moment de votre anniversaire. On voit pour terminer que alors les trois planètes dont on parle chaque mois, Jupiter, Pluton, Saturne, vous m'avez compris, donc elles sont toutes les trois rétrogrades, hein, plus de Vénus à cette période de réajustement. Saturne est encore en Verseau, on a Jupiter et Pluton qui sont eux dans le signe du Capricorne, mais qui sont aussi rétrogrades. Alors Vénus qui rétrograde, il y a une forme de crise des valeurs. Alors pour certains, ça va être à un niveau très personnel, ça va être sur le plan par exemple matériel, une crise de valeurs, un manque d'argent, une situation matérielle qui évolue et qui donc est pénible et difficile sur le plan matériel. Pour d'autres, ça va être une crise de valeurs, de la valeur de soi, une difficulté par exemple à se valoriser dans un domaine ou dans un autre. Et puis il peut y avoir aussi une crise des valeurs dans le sens d'une perte de sens aussi à ce moment-là, où on va réfléchir, on va essayer de trouver de nouveaux repères, de s'orienter différemment, et d'où peut-être cette nécessité d'aller vers de nouvelles formations, de nouveaux apprentissages, d'échanger, de communiquer avec les autres, de voir un petit peu ce que les autres pensent, comment on peut se resituer. Il peut même y avoir une crise des valeurs sur le plan du couple, sur le plan amical, on se retrouve peut-être plus dans un groupe, dans des relations tout simplement. Alors ça peut être vraiment temporaire comme ça peut être plus définitif ici. Il y a quand même des transformations importantes avec toutes ces rétrogrades qui sont en voie, en cours, disons. On n'est pas encore dans l'aboutissement, on est plutôt dans une forme de digestion de ce qui s'est passé avant et de réflexion sur comment on va pouvoir avancer maintenant avec ces rétrogrades. Et bien sûr, il faudra que toutes les planètes aient terminé de rétrograder, certainement attendre la fin de l'année pour vraiment prendre un nouveau départ dans un domaine ou dans un autre, là où il peut y avoir cette crise de valeur ou cette difficulté à se valoriser, par exemple. Hein. Donc pour l'instant, c'est plutôt, disons, à l'état d'ébauche, mais on est dans cette prise de recul, dans cette période d'observation, ce moment où on cherche à se resituer, notamment sur le plan social, sur le plan des valeurs, sur le plan monétaire, enfin à tout un tas de niveaux. Ça dépend vraiment de votre thème. Je ne veux pas trop faire de généralité puisque ça va vraiment dépendre du thème de chacun. Donc voilà pour cette nouvelle lune. J'espère que que son analyse vous aura été utile. Donc je vous retrouve
retrouve pour les horoscopes du mois de juin. J'ai commencé à les faire, ils sortiront le 31 mai normalement. Bon, je ne sais pas si j'aurai terminé les 12 signes, mais j'en ai déjà commencé quelques-uns. Et en attendant, n'oubliez pas de télécharger le livre d'Hervé René Martin sous la vidéo si vous avez envie de le lire, si vous avez aimé ses livres précédents. Profitez de ce partage et puis n'hésitez pas à le partager aussi avec d'autres amis. À très bientôt, au revoir.